Salut Cécile, bienvenue sur Music Your Life. Alors là, je suis super morning, mais c'est pas grave parce que j'ai une idée, c'est de te proposer en fait une bouleria. Et cette bouleria, c'est Viejo Mundo de Cameron. Elle est dans l'album La Leyenda del Tiempo. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les falsettas, le compas, c'est Tomatito à la guitare. Et je trouve qu'on pige bien ces falsettas. Donc, c'est-à-dire les mélodies, les micro-compositions qu'on a en plus du compas, et ainsi que les embellis de compas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te les proposer à tempo, puis ensuite, je vais te les proposer plus lentement. J'ai pas écrit les partitions, parce que le flamenco, c'est quand même un style qui est normalement de tradition orale, de transmission orale, et c'est vrai qu'on les comprend, à mon sens, pour avoir travaillé sur des méthodes et pour avoir travaillé d'oreille, on les comprend quand même vachement mieux quand on les écoute. Dans l'écriture, souvent, c'est. Je sais pas, il y a quelque chose, c'est pas évident. On tombe sur un ramassis de notes. Les mesures, on est obligé d'adapter par rapport à cette grande mesure de 12 temps ou ces quatre mesures de 3 temps. C'est très très particulier à écrire en fait, le flamenco. Donc voilà, là je te les montre comme ça. C'est parmi mes boulerias préférées. Alors c'est très compliqué de choisir, mais celle-là vraiment vraiment elle est chouette et on pige bien ce qui se passe. Et dans la description de cette vidéo, tu retrouveras plusieurs autres boulerias vraiment vraiment très intéressantes, soit vraiment à écouter, à se mettre dans l'oreille, soit parce qu'il y a des choses qu'on peut travailler à l'intérieur. Donc je la joue en capo 4, c'est la tonalité d'origine que tu peux retrouver dans le disque. Maintenant tu peux souvent la jouer en capo 2, en capo 3, voire aussi travailler sans capo. Mais souvent si on a le capo, c'est parce que bah, c'est quand même plus facile à jouer. C'est aussi pour ça qu'on peut faire de plus grands écarts. Les cordes sont aussi plus près du manche. Par contre attention, les cordes paraissent plus tendues. Donc c'est voilà, il y a des avantages, il y a des inconvénients, c'est pas forcément évident, évident. Mais voilà, donc cette bouleria, elle est vraiment cool à bosser. Je te file tout, maintenant on y va, go! On voit que la falsetta d'intro du morceau, en fait, elle est surtout composée d'arpèges pour le départ. Et ensuite, on a un peu quelques plans au pouce. À mon sens, on arrive quand même assez bien à comprendre ce qui se passe. Ensuite, on a aussi ce qu'on appelle une embellie de compas, c'est-à-dire même si tu as compris le compas de la bouleria, il ne s'agit pas de le faire toujours tourner sur les 12 temps. Parfois, on a des extensions, parfois, on a aussi des variantes. Et c'est ce qui se passe sur ce passage avec tous les basses qui évoluent sur le ré mineur en fait. Alors l'autre falsetta qu'on trouve dans le morceau. Là, celle-ci, on va la découper en deux et elle n'est pas évidente à comprendre, on va dire rythmiquement. En fait, elle part en l'air du 9, en l'air du 9e temps. Ce qui est important en fait de comprendre dans cette falsetta, c'est que c'est le 12, il tombe là. Celle-ci, on va la découper en deux, on a donc. Ensuite.
Là, parfois, Tomatito, il change rythmiquement, il fait des trucs différents. D'ailleurs, je ne les ai pas révisés, peut-être que moi aussi j'ai fait des variantes, je ne sais plus. Parfois, il fait ça. Alors là aussi, il y a quelque chose d'intéressant, et ça, tu le vois dans aucune méthode, c'est la fin. Il y a deux coups en fait, qui sont marqués comme ça avec des pichenettes. Ça, c'est par observation que je m'en suis rendu compte. Je vais te le montrer plus en détail au niveau de la main droite. Là, on voit qu'on fait majeur annulaire. Parfois, ça se fait aussi juste avec l'index. Ça fonctionne très bien. Ça, là, ça permet vraiment de mettre des accents et des coups en fait en relief. Je te remonte cette falsetta lentement. Donc voilà, c'était la petite idée du jour. C'est peut-être pas super propre parce que je suis un peu morning, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'on pige ce qui se passe. Donc cette bouleria, c'est Viejo Mundo. Tu le trouveras dans l'album La Leyenda del Tiempo de Cameron de 1979. C'est vraiment, vraiment une super, super bouleria qui est moderne pour l'époque parce qu'il y a introduction de la basse, etc. D'ailleurs, l'album entier a fait grand bruit à l'époque. Il a été assez décrié. Et c'est vrai qu'il est un peu particulier, mais bon. Maintenant, c'est rentré dans les mœurs et c'est un album qui est devenu un classique. Quant à moi, je te dis à très très vite sur Music Your Life. Ciao!